Verstappen ne s'intéresse pas au classement des pilotes pour l'instant. Il doit quand même regarder un minimum. Bon, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Il reste encore 15 courses à disputer selon lui. La seule nécessité à ce stade de la saison est de pouvoir se battre pour la victoire et garder une bonne dynamique. Je pense que cela n'a pas vraiment d'importance où vous êtes dans le championnat par rapport à la deuxième place. Il s'agit plutôt de la performance que vous avez dans la voiture. Si votre voiture est bonne et que vous savez que vous pouvez gagner des courses, il n'y a pas tant de pression. Je pense que nous sommes dans ce sport depuis un certain temps et nous savons ce que nous pouvons faire, du moins. D'après mon expérience, ça ne fait pas vraiment de différence. Je veux juste avoir une bonne voiture parce que cela vous donne la confiance nécessaire pour bien faire. Ouais, bon, après, il doit être content d'être premier quand même du classement pilote. Maintenant, est-ce qu'il est dans une bonne dynamique pour gagner des courses? On dirait bien que Ferrari, quand même, est légèrement revenu devant Red Bull en termes de perfo. Après, bon, c'était le cas en Espagne, à Monaco aussi. Je pense que Leclerc aurait largement gagné hein, s'il n'y avait pas eu de pluie. Mais bon, après, voilà, c'est la course, c'est la pluie aussi. Il faut que les stratèges de Ferrari se réveillent. Maintenant, on verra à Bakou si la Ferrari est toujours aussi forte ou pas. Je vous laisse commenter. Ciao.